Salut à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire. Depuis la semaine dernière, on a inauguré quelque chose de différent. Pendant 2 semaines, comme ça, on teste une autre formule, finalement, de ce Grand Débat du Web. Toujours des invités, mais ils ne sont plus que 2. Toujours des sujets, 2, comme d'habitude. Et une émission qui est 2 fois plus courte, donc 2 fois plus dynamique. Et pour cette émission spéciale numéro 46, on accueille Clotilde Provost, La Méthode. Salut. Bonjour, Clotilde. Bertrand. Ça va ? Ça va bien. La méthode en un mot vraiment, en deux, allez, deux mots. Deux mots, c'est de l'accompagnement d'entrepreneuses au départ, ou entrepreneureux, chacun fait comme il veut. C'est donc une méthode pour accompagner le processus de mise en place sur orbite. C'est deux mots, ça, donc, hein. Voilà. Pardon ? C'était deux mots. C'était deux mots, ça, oui, ça, voilà. Est-ce qu'on donne des cours de maths auprès des jeunes journalistes que tu drives, Street Press, Street Cool, les Media Makers, Cécilia ? Alors nous, on cherche et on forme les nouveaux talents journalistiques de demain. Bon, 13 minutes pour parler de 2 sujets. Qui va gagner la bataille de la VOD ? Ce sera le 2e sujet et le premier. Où est passé le fameux contrôle collectif du web ? C'est donc notre sujet. Mark Zuckerberg a fait amende honorable après ce qui s'est passé sur Facebook pendant les élections. Dans un premier temps, tout le monde l'a vu, il a dit que évidemment Facebook n'était pour rien dans le fait que Trump avait permis de surfer sur un vaste déluge de conneries qui ont été diffusées sur Facebook. Et dans un deuxième temps, il a dû admettre, il devient même maintenant le champion, toute catégorie, de la lutte contre les bêtises sur Facebook. Et quand je dis bêtises, c'est un doux euphémisme. Et selon BuzzFeed, en fait, qui a interviewé un type qui s'est prétendu être le... Je ne sais pas si vous avez vu cet article-là, un type qui dit « Je suis à peu près le champion des fausses news qui ont été diffusées sur Trump » et qui regrette d'ailleurs en disant « Je ne savais pas que... » Je ferai beaucoup d'argent, mais qu'en même temps, je ferai élire Trump avec ces bêtises-là. Ben celui-là dit, en fait, on est arrivé dans une situation aujourd'hui où la vérité n'a plus aucune importance. Tout le monde se contrefout de la vérité. Est-ce que je parle à la journaliste, le grand reporter qui est toujours en toi, Cécilia, est-ce qu'on est passé de l'autre côté du miroir, finalement ? Est-ce que la vérité n'intéresse plus personne ? C'est possible. C'est possible, parce que alors, c'est la fameuse ère de la post-vérité. C'est-à-dire que non seulement... les gens préfèrent être dans leur bulle, c'est la fameuse question des filtres, mais en réalité, alors ça a commencé comme ça. Au début, on disait qu'il y a des complotistes sur le net, ils adoraient croire des trucs, etc. Mais en réalité, on est tous complotistes. Ça veut dire que quelque part, on ne reçoit que les informations qui nous intéressent et on les filtre à notre manière, tous autant qu'on est. Et de plus en plus, parce qu'on est tellement soumis à tellement d'informations dans tous les sens, que les gens, c'est ce que j'appellerais les maladies de la liberté, hélas, ils n'y arrivent pas. Et donc, ils finissent par se rassembler par affinité et par donner un prisme de lecture, même les gens les mieux intentionnés, un prisme de lecture qui fait qu'ils ne voient, qui est renforcé par les algorithmes qui te montrent que ce que tu connais déjà, mais ils ne voient, et même, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Et en plus, même quand une information diverse arrive, elle passe par leur filtre pour être rejetée, interprétée, classée. C'est-à-dire que la construction traditionnelle de la vérité, où on confronte des arguments, globalement, c'est toute la société démocratique qui est atteinte de cette espèce d'affaiblissement de la construction de la vérité. C'est la mort de Voltaire, quoi. Ouais. Vraiment. C'est-à-dire que les idées des autres, on n'en a plus rien à faire, d'une certaine façon. C'est un petit peu ça, quand même. Hein. Alors, c'est que même le statut même de la vérité, elle a été déchue. C'est-à-dire qu'avant, la vérité était une forme de démarche d'intelligence. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans une démarche, quelque part, d'affirmation et de protection, finalement, en se mettant dans leur bulle. Plus rien n'est vrai. C'est ce qu'on vous disait sur Trump. Les gens savaient très bien qu'il n'allait pas tenir tout ce qu'il disait. Et finalement, ça n'avait aucune importance. C'était une sorte de métalangage. C'était le discours de j'en ai marre. J'ai envie de prendre un pavé et de le balancer dans cette vitrine. Je prends Trump et je le balance dans un bulletin de vote. Donc, il y avait aussi une sorte d'inconséquence aussi des actes. C'est-à-dire qu'on n'adhère plus à un discours en particulier. C'est un ressenti. C'est une attitude et c'est sur ça que l'on se base. Il y a un documentaire qui a été fait par des anglo-saxons, anglais ou américains, je ne sais plus exactement, qui s'appelle « Hyper-normalisation ». Si vous avez l'occasion de regarder ça, vous comprendrez mieux comment en Russie, comme dans l'élection de Trump, en fait, la vérité n'a plus aucune importance et comment tout ça est théorisé concrètement pour essayer de noyer les gens dans une espèce de masse d'informations qui ne veulent plus rien dire et qui ne situent plus personne sur un champ politique traditionnel à droite ou à gauche. C'est exactement sur quoi surfe à la fois Poutine en Russie depuis des années et Trump plus récemment aux États-Unis. Et ça commence à arriver en France. Hein.
Alors, je vais encore, mais comme journaliste, c'est vrai que c'est une énorme préoccupation. Et sur comment est-ce qu'on construit la vérité et comment est-ce qu'on arrive. Alors, c'est les fameux décryptages, c'est les fameux décodeurs. Il y a beaucoup, en fait, de journalistes de fact-checking. Et nous, on travaille avec nos élèves dans la Street School sur comment est-ce qu'une info, c'est pas une photo, c'est une contextualisation, ça a une origine. Les gens ne sont pas là par hasard. Il faut donner tous les éléments qui constituent une situation. Mais le web intelligent collectif qui a fait Wikipédia, aujourd'hui, a l'air d'être un petit peu mort quand même. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis toujours très optimiste, en fait. Je vais faire un peu de philosophie de comptoir, mais je pense que sur tous les modèles, on a besoin, au bout d'un moment, comme des gosses, d'aller au-delà de la limite. C'est-à-dire qu'on va se vautrer dans la fange. C'est-à-dire qu'à un bout d'un moment, on va se gaver de fausses informations. Il n'y aura plus de vérité, comme tu dis, jusqu'au jour où les gens diront « mais... » Il faut qu'on aille sous la douche, il faut qu'on retrouve cette vérité. Donc, c'est comme la bouffe, on a été le pire du pire de la bouffe, et aujourd'hui, tu manges sans gluten, bio, tout le monde revient en arrière. Enfin, tu manges pas tout le monde. Hein. Non, mais on est quand même revenu en arrière de la food, par exemple. Mais l'info, c'est pareil. C'est comme l'info, c'est-à-dire qu'on va aller dans le pire du pire, et un jour, il va y avoir un mouvement braqué total, et les médias qui feront du fact-checking auront enfin de la valeur. Ça fait plusieurs fois qu'on a ce débat-là, c'est-à-dire qu'on va revenir à de l'information journalistique vérifiée, contrôlée, parce que ça aura un prix. C'est-à-dire qu'il faudra à un moment qu'on ait la vérité. Il y aura des gens qui auront besoin. Alors, est-ce que le fait que tout d'un coup Mark Zuckerberg prenne la mesure de ce qui s'est passé, qui est quand même un phénomène assez historique, et dise on va faire attention sur Facebook à 1 700 000 000 d'abonnés, à ce que les informations bidons soient tout de suite identifiées, fact-checkées par des journalistes ou par des gens qui savent le faire et qu'on marque vraiment cette information n'est pas vérifiée, pas valable, est-ce que ça peut changer la donne ? Moi, j'ai l'impression que oui, quand même, sur des plateformes comme ça. S'il le fait, d'autres vont être obligés de suivre. Moi, la question que je me pose toute naïvement, c'est comment tu checkes des milliards et des milliards d'informations qui sont balancées par jour. Mais tu prends celles qui remontent le plus dans les signalisations, finalement. Moi, je pense que c'est un moindre mal, mais je ne vois pas techniquement comment tu peux empêcher des trolls. Surtout qu'elles sont souvent... Tu as bien vu comment elles sont faites sur Trump. C'est qu'elles sont... Le gars, il est d'un cynisme absolu. Mmh. C'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'elles soient crédibles. Mmh. Et après, il dit, mais enfin, c'était faux. Tu dis, mais mec, tu as mis un titre qui est crédible, des informations qui sont crédibles. Et après, tu dis, mon Dieu, vous n'avez pas fait votre métier. C'est juste le cynisme absolu. Donc ça, c'est à eux aussi de s'en prendre à eux-mêmes. Et ensuite... Justement, le fait qu'il y ait des trolls, tu ne peux pas fact-checker des trucs qui ont l'air crédibles. Bon, en même temps, il y a un média qui s'appelle Breitbart aux États-Unis qui a été beaucoup dans tout ce qui s'est raconté et qui va arriver en France. Et ça va nous poser un vrai problème ici, parce que d'un coup, cette espèce de déluge de conneries va arriver en France aussi dans un média officiel, en fait, d'une certaine façon. Tu voulais dire un dernier truc là-dessus ? Non, moi je pense qu'effectivement Facebook a une responsabilité, mais de par sa taille, c'est devenu un tel géant que ça lui donne une responsabilité exactement comme un État. Puisque c'est le plus grand pays au monde, c'est Facebook. Donc là, il va avoir des responsabilités et que toutes les mesures, même si on en connaît les imperfections, mais toutes les mesures quand même de contrôle peuvent être intéressantes parce qu'il y a tellement d'infos qui circulent. Alors il y a une méthode quand même, c'est que quand tu as une info qui sort, tu vois si quelque part d'autres médias de référence la reprennent ou pas, ou l'ont sortie. Donc tu as un premier filtre, c'est pas un absolu, mais ça va établir tout d'un coup, en tout cas, l'idée que... ils vont essayer de hiérarchiser, même si c'est toujours dangereux, parce que c'est aussi une forme de contrôle sur tout ce qui se discute. Hein. Donc on est toujours un peu partagé là-dessus. Mais l'idée d'une hiérarchie dans ce grand état mondial de Facebook, peut-être que c'est intéressant. Le deuxième sujet de ce grand débat du web numéro 46, qui va gagner la bataille de la VOD ? Qui va gagner entre Amazon et Netflix ? Puisqu'évidemment, il y a des acteurs qui ne sont pas internationaux, des acteurs français comme la Fnac, comme Leclerc, comme Price Minister... ou comme Cdiscount par exemple, mais la bataille se joue quand même au niveau international entre ces deux grands géants. Et selon, je crois que c'est le New York Times, dans le Wall Street Journal, en fait, ils vont débarquer dans 200 pays dans le monde et venir concurrencer directement avec Prime Video, le service de Netflix. Qui va gagner ça, sachant qu'en France, tout le monde s'y est mis, hein, tout le monde fait son service de VOD. La SVOD, c'est plus compliqué en France parce qu'il y a des histoires de chronologie des médias qui font qu'il faut attendre 3 ou 4 ans avant de pouvoir diffuser un film récent dans un mode de souscription par abonnement. Donc là, ça tue un peu dans l'œuf les systèmes en France. Mais sur les médias américains, on peut voir différemment. Il y a Price Minister, il y a Leclerc, il y a la Fnac, il y a des gens comme ça qui aujourd'hui ont lancé leur propre système de VOD. Qui va gagner entre Netflix et Amazon déjà ? Est-ce qu'Amazon a la puissance, Cécilia ? Oui, je pense. Alors, je ne peux pas vous dire qui va gagner. Par contre, ce qui me semble, c'est que Amazon est en mesure de gagner parce que ce n'est pas leur business principal et donc ils sont prêts à faire du dumping. Ça veut dire quoi ? Amazon, ça vend, c'est une plateforme de vente et de livraison.
C'est un énorme business. Et ce qu'ils veulent, c'est fluidifier la livraison. Les gens qui s'abonnent à leur service de livraison premium. 49 euros par an. Parce que plus ta livraison est facile, plus tu achètes quelque part. Si tu sais que tu peux recevoir l'objet comme ça facilement chez toi, les gens s'y mettent et c'est une commoditise qui entraîne beaucoup de consommation. Donc eux, ils ajoutent leur service de VOD à ce service prime. Donc quelque part, ce n'est pas leur business principal. Donc ils sont prêts à le vendre peu cher et à mettre beaucoup de valeur dedans parce que ce n'est pas leur premier business. C'est comme Google. Google, il a tué plein de business en le proposant beaucoup moins cher, quelque part gratuitement, parce que ce n'était pas son business principal. Et je trouve qu'en ce moment, il y a une mise à ceux qui peuvent en fait faire du dumping en utilisant un business qui n'est pas le leur pour accroître leur business à eux, qui est de la data et de la vente sur ces data. On dit que Prime Video d'Amazon, quand ils vont arriver en France, ça sera inclus dans le premium, c'est-à-dire la livraison gratuite pendant un an, 49 euros. Et tout un service gratuit, alors que c'est un service qui est vendu 69 $ ou quelque chose comme ça, ou euros, dans certains pays, en Allemagne ou aux États-Unis, en France, histoire d'emprunter le marché directement, ce serait gratuit. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, pour revenir sur le fait qu'il va gagner, qu'il va perdre, moi, je pense qu'il y a un peu, pour l'instant, de la place pour un peu tout le monde. C'est-à-dire, pour les gros, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es à moins de 10 euros l'abonnement par mois, là où Canal est quand même à 30 euros, je pense que tu peux te permettre d'avoir un Amazon, un Netflix et un tiers pour le prix d'un Canal+. Donc, pour moi, la question, c'est plutôt quid de l'avenir des chaînes payantes. Ça, c'est un vrai, vrai sujet. Et ensuite, qui va gagner ? Je pense qu'en fait, ils vont se partager le marché aux très gros parce que c'est un marché pour les très gros. Parce que si on regarde que la première règle, c'est le contenu. C'est-à-dire que si tu n'as pas des contenus originaux de très haute qualité, tu auras du mal à faire venir du monde. Donc, il faut des centaines de milliers de dollars pour... c'est combien ? House of Cards, c'est 110 millions de dollars. C'est énorme. Donc il faut un million d'abonnés en plus à chaque fois, à chaque ticket. Donc, déjà, c'est ces contenus, des budgets énormes. Donc, à partir du moment où tu as des budgets de contenu énormes, il faut que tu aies des économies d'échelle. Donc, une plateforme mondiale de facto. Et donc, ça pose la question de la distribution. Donc, je vois... ceux qui sont mondiaux avec d'énormes budgets y arriveront, ceux qui sont locaux auront un autre modèle à inventer. Bon, il y a 65 millions d'abonnés, en tout cas fin septembre, c'était le cas pour Prime Video d'Amazon, qui n'est pas encore diffusé partout dans le monde. 90 millions d'abonnés pour Netflix un peu partout dans le monde, qui produit House of Cards, Orange is the New Black, Narcos et plein d'autres choses. Et il y a une bataille de la production aussi qui est en train de devenir absolument colossale. Il y a aussi une bataille du sport. En ce moment, Amazon est en train de mettre des billes pour essayer de taper ESPN sur tous les contrats qui sont en cours sur le football, sur tous les sports majeurs américains. Les contrats qui sont en cours jusqu'en 2022 ou 2025 pour certains. On a terminé. Donc, c'est plus la peine de lever le doigt. Ah, pourtant, j'allais donner une note positive. C'est vrai. Alors, mais oui, c'est que cette compétition, quand même, produit des contenus de mieux en mieux. C'est vrai. Je salue Cécilia Gabizon. Merci beaucoup. Merci à Clotilde Provost. Merci. C'était le numéro 45 du Grand Débat du Web. On se retrouve très bientôt. Salut à tous. Merci.